Salut à tous, c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va plutôt bien. Écoutez, alors aujourd'hui, une petite vidéo. C'est le classement des 5 meilleurs qui ont marqué le monde du smartphone en général. Donc, on va commencer tout de suite avec le Galaxy S7. Hein, c'est normal, on le connaît tous. C'est un des meilleurs smartphones de 2016, si ce n'est pas le meilleur d'ailleurs. Hein, des photos magnifiques, un processeur très bien. Alors, on va retrouver un écran 5,2 pouces. Android Marshmallow, normal. On va retrouver 4 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne sur le Galaxy S7. Un processeur Exynos 8890. À la deuxième place, le Huawei Mate 8 a un écran 1080p de 6 pouces. 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne. Un processeur Kirin 950. Un GPU Mali T880 MP4. Des très très bons composants. En troisième position, on retrouve le LG G5. Alors, le LG G5 a un écran 5,3 pouces de 1440p, 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne, un Snapdragon 820 et un GPU Adreno 530 comme le Galaxy S7. En quatrième position, on va retrouver l'iPhone 6S Plus avec un écran 5,5 pouces de définition 1080p, iOS 9. Qui va sûrement passer à iOS 10 dans pas longtemps. 1 Go de RAM, 1 Go au final pour l'iPhone, ça suffit largement. Certains pourraient dire que c'est très peu, mais vu que les composants sont très bien mariés, au final, il a pas besoin de surpuissance comme les Android où il faut 3, 4, 5, 6, 3, 4, 6 Go des fois. Non, lui, 1 Go, bon, je ne suis pas en train de dire que l'iPhone est le meilleur téléphone du monde, hein, loin de là. Moi, j'aime pas personnellement. Ma femme en a un 6S. Et moi, en l'ayant utilisé quelque temps, je sais que 1 Go suffit largement sur l'iPhone 6 parce que les composants sont très bien mariés, ce qui fait que ce qui fait que le téléphone ne galère pas du tout. En cinquième place, on retrouve le Nexus 6P avec un écran 5,7 pouces 1440p. Android 6.0, alors ça c'est normal. Android et les Nexus sont toujours mis à jour avant les autres smartphones. 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage interne au choix 64 ou 128 comme les autres hein, d'ailleurs. Un Snapdragon 810 et un Adreno 430 pour le Nexus 6P. Là, je vous ai fait une sélection des 5 meilleurs smartphones pour moi. Mais là, dans quelques jours, je vais vous sortir la vidéo où il y a tous les smartphones Android et tous les composants, tout ça. Et on verra. Et moi, je peux vous dire qu'il y a de la concurrence. L'iPhone 6S et le Galaxy S7 ne sont pas les seuls smartphones haut de gamme. Ils sont haut du panier, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup et beaucoup d'autres derrière eux, ça c'est sûr. Enfin bref, je vous dis à plus tard, c'était Polo.